Nous sommes rassemblés cet après-midi grâce à Noëlla, dans cette église paroissiale qu'elle connaissait bien. Elle nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Je vous invite à vous asseoir. À de nombreuses reprises au long de sa vie, Noëlla a franchi le seuil d'une église, le seuil de cette église Sainte-Thérèse, église de son quartier, où je l'ai souvent aperçue pour la prière dominicale, ou encore pour accompagner de sa propre prière la mort de ses amis, et nous l'accueillons cet après-midi. Noëlla est décédée, et vous, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs des autorités civiles et militaires, venus de Suisse, mais de France également, amis, vos chères familles, en particulier Patrick et Catherine, François et Christine, vous, les petits-enfants, Constantin et Lucille, vous, les proches, les amis, et parmi ceux-ci, les instrumentistes, musiciens, musiciennes, qui avaient voulu rendre hommage à travers votre art. Vous avez voulu que dans cette église, nous puissions unir nos prières pour Noëlla, que nous puissions offrir au Seigneur tout ce qui a pu remplir son existence. Une vie de plus d'un siècle, une vie marquée profondément, douloureusement aussi, dans son humanité, mais surtout, une vie marquée par la tolérance, par l'amour de la France et de ses valeurs, par l'amour de la poésie, par sa très grande foi. C'est pourquoi nous sommes ici, aujourd'hui, pour apporter ce dernier bel hommage solennel à Noëlla, qui a eu tant d'importance par son témoignage, son vécu de valeurs, au fond des valeurs universelles, qui nous touchent, quelle que soit notre origine. En silence, nous nous souvenons de ce qu'elle était, de ce qu'elle a fait. Nous allons demander au Seigneur de se souvenir de tout ce que Noëlla a réalisé au long de sa vie au service de ses concitoyens. Ici dans l'Église, nous allons écouter une parole, la parole de Dieu, qui va venir éclairer sa vie et la nôtre en ce temps de deuil. De par son mariage avec André, Noëlla a été sensibilisée à l'œcuménisme, ici à Genève. À ce titre, je salue parmi nous la présence du pasteur Roland Benz, qui a bien connu Noëlla. Je le remercie de sa présence amicale et d'avoir accepté d'assurer l'homélie. Je salue également la présence de Monsieur le rabbin François Gaïra, de la communauté juive libérale de Genève, qui s'est spontanément proposé afin de s'associer à l'hommage de ce jour. Je l'en remercie vivement. Il nous fera le privilège de chanter une prière en hébreu tout à l'heure. Quel magnifique témoignage, voyez-vous, de pouvoir célébrer en toute amitié franco-suisse et même au-delà, avec la diversité religieuse. Oui, décidément, les murs de nos frontières, les murs de nos églises n'atteignent pas le ciel. C'est un beau message aussi de tolérance de Noëlla que cette célébration. Je l'en remercie, je remercie aussi sa famille qui nous en a donner la possibilité. Ensemble, laissons nos cœurs se retrouver dans un moment de recueillement, de prière à la mémoire de Noëlla. Seigneur, tu as permis que Noëlla, qui vient de nous quitter, soit cet après-midi celle qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations. Nous avons tout laissé pour nous unir à la peine d'une famille. Tu as vécu toi-même notre condition humaine. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour toute personne. Conduis-nous ainsi plus près de Noëlla et plus près de toi, qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Nous allons écouter une première pièce musicale que la famille a souhaitée, un extrait du Requiem de Duruflet. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort? Plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ?
la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. Non, car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce.
Vous m'aviez demandé, Patrick et François, et vous, monsieur l'abbé Thierry Fouet, de lire et méditer ce grand texte de l'évangile de Matthieu appelé les Béatitudes. C'est le texte que j'avais choisi pour le culte d'adieu d'André Rouget en 2005. Je suis donc touché de relier ainsi André et Noëlla par ce même texte. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire et il disait « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils, filles de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Je vous prie de prendre place. Cher Patrick et Catherine, chère Françoise, François et Christine, chère Lucille, cher Constantin, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires de France et de Suisse, chères familles, chers amis. À la fin de ces exposés, la question venait immanquablement. Est-ce que vous n'auriez pas eu envie de vous venger après tout ce que vous avez subi ? Et Noëlla de répondre « Oh non, cela aurait été faire comme eux. J'ai résisté à l'occupation allemande, mais plus encore à l'esprit de haine, disait-elle. Combien de fois l'ai-je entendu raconter son parcours de vie à des groupes de catéchumènes, à des jeunes, toujours avec une grande dignité. Noëlla ne jouait pas sur l'émotion, mais parlait en vérité, décrivant les atrocités subies, mais aussi l'amitié, la solidarité vécue entre déportés, parlant de sa foi avec simplicité. Oui, elle parlait en toute humilité. Les jeunes étaient chaque fois bouleversés. Pourquoi témoigner ? Eh bien, je le fais pour la mémoire de mes amis disparus dans les camps, notamment mon amie Denise, que j'ai vue partir à la chambre à gaz. Et puis, pour que l'on veille à ce que l'on dit, comment on parle aux autres. Oui, que l'on veille à ne pas glisser vers des mots de mépris. Oui, faites attention, les jeunes, à votre façon de parler des autres, disait-elle. Cela commence avec quelques mots de mépris, puis c'est le rejet, et sans s'en apercevoir, on passe à l'exclusion et à la haine. Noëlla, quel beau nom, née le 25 décembre 1919, a incarné la paix durant presque 101 ans. Elle disait, je sais une chose avec certitude. J'ai toujours eu la foi, une foi vive.
parce que je m'y suis accroché de toutes mes forces, je lui dois d'être encore en vie après tant d'épreuves et de ténèbres. Mes parents me l'ont transmise. À Angers, où j'ai passé ma jeunesse auprès d'eux, j'ai tâché d'être à la hauteur des valeurs évangéliques qu'ils avaient chevillées au cœur. Le respect de l'autre, un certain sens de la justice et le courage de dire et de vivre la vérité à n'importe quel prix. Heureuse Noëlla, qui a été douce, elle obtiendra la terre promise. Heureuse Noëlla, qui a eu faim et soif de justice, elle sera rassasiée. Heureuse Noëlla, miséricordieuse, elle obtiendra miséricorde. Heureuse Noëlla, artisane de paix, elle sera appelée fille de Dieu. Heureuse Noëlla, qui a été persécutée pour la justice, le royaume des cieux est à elle. Mais dire heureux, heureuse, n'est-ce pas inconvenant et même choquant quand on a subi l'horreur des camps de concentration? N'est-ce pas faire affront à ceux et celles qui ont souffert et qui souffrent encore? N'est-ce pas une forme de déni du mal subi? Est-il possible de dire heureux quand la dignité humaine est bafouée, piétinée, lorsqu'on en est, elle est broyée, comme ce fut le cas dans les camps de concentration nazis? Inacceptable, cette parole de Jésus. Dieu n'était pas à Auschwitz, Dieu n'était pas à Ravensbrück. Le mal y était tel qu'un monstre exterminateur de l'humain et de sa dignité. En sortant de Ravensbrück, je pesais 32 kilos et j'étais tuberculeuse. Une morte vivante, percluse d'angoisse. Tout s'oppose ici au bonheur. Et pourtant, lorsque Noëlla et ses amis se réunissaient, cachés derrière leur baraquement, le bloc 27, serrés les unes contre les autres, luttant contre le froid du Nord, elles priaient. Elles priaient ensemble notre Père. « Ô douce récitation de notre Père !» disait Noëlla. Elles récitaient en Ave Maria. Elles disaient quelques versets d'un évangile de Jean trouvé dans le cloaque de Ravensbrück. « Aimez-vous les uns les autres ?» Elles se souvenaient des poèmes appris à l'école. Geneviève de Gaulle, la nièce du général, une très grande amie de Noëlla a écrit dans le livre d'or, quand elles se sont retrouvées, « Avec ma profonde amitié, chère Noëlla, l'amitié qui est née de Ravensbrück pendant nos méditations en commun le soir, derrière le bloc 27. » N'y avait-il pas, dans ces moments, des traits de lumière, une parole qui faisait d'elle des personnes à part entière? Là, elles n'étaient plus réduites au malheur qui envahissait leur être angoissé, qui terrassait leur corps, malade, infesté de vermine, squelettique, qui envahissait leur âme, traumatisée par la mort qui rôdait dans tout le camp. La vie se manifestait contre la mort. Dans ces instants de communion, un heureux, heureuse, du Christ était planté dans le cœur même de la désolation et de la déréliction. C'est bien ce que Jésus proclame quand il dit heureux. Non pas heureux en dépit de, heureux malgré l'horreur, vous soyez heureux, vous savez, ça passera. Non, heureux, heureuse, rien à voir avec une parole moralisatrice ou un appel à la résignation doloriste. La morsure du mal fait souffrir, elle est là. Mais comme le philosophe Paul Ricoeur, un pacifiste qui a lui-même passé par les geôles du nazisme, l'a dit en méditant sur les béatitudes. N'a-t-on pas dit du mal qu'il est un défi à la philosophie
et à la théologie, c'est bien vrai. Mais ne faut-il pas aussi renverser la formule et dire que le bonheur est un défi au malheur? Oui, derrière chacune des béatitudes, dit Paul Ricoeur, il y a comme en filigrane un manque, une privation, une blessure. C'est la pauvreté en esprit, la douceur qu'on exploite, l'affliction infligée, l'épreuve subie de la faim et de la soif, l'usure de la compassion, la souffrance d'un cœur partagé, l'assaut de la guerre, la persécution de l'injustice. Cette béatitude qui font front au défi, aux sept défis. Heureux, heureuse. Oui, c'est une parole de relèvement à recevoir comme parole de Dieu. Dans la bouche de Jésus, lui qui a vécu le rejet, la trahison, le supplice, elle prend saveur d'espérance, cette parole. Lorsque l'être humain est plongé dans l'abîme du désespoir, elle fait surgir un possible autre. Dans ses exposés, Noëlla rappelait souvent cette phrase terrible de Himmler. On les mettra dans la boue, elles deviendront de la boue. Dire heureux de ce heureux de Jésus, c'est tenir vivante la dignité de l'être humain contre ce système qui n'avait qu'un but, celui de réduire la personne humaine à n'être qu'un déchet, une ordure. Excusez. Jésus n'est pas venu expliquer l'énigme du mal. Qu'aurions-nous à faire d'une théorie? Mais il s'est fait solidaire des êtres humains. À la croix, n'a-t-il pas crié l'horreur de l'abandon? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus le Christ se fait présence dans l'absence. Sa parole plante la foi comme un rempart face à la déferlante du mal, car l'humain n'est pas réduit aux outrages de la méchanceté. Par une grâce de Dieu, j'ai échappé deux fois à la chambre à gaz. J'ai survécu à Ravensbrück, disait Noëlla. J'ai cherché dans les témoignages de Noëlla les mots de joie et de bonheur. Ils arrivent à plusieurs reprises quand elle reçoit une lettre ou un paquet de sa famille, alors qu'elle est en prison, quand elle vit un geste de réconfort et d'amitié à Ravensbrück, et bien sûr, quand elle est libérée et qu'elle retrouve les siens à Angers. Joie ineffable des retrouvailles avec les miens, un moment tellement fort dans ma vie. Et l'appel à être heureuse lui viendra paradoxalement de la lettre que son fiancé Adrien lui a écrite juste avant d'être fusillé par la Gestapo, alors que Noëlla elle-même était emmenée avec des centaines d'autres femmes dans le train de wagon à bestiaux pour Ravensbrück. Voici quelques mots d'Adrien que Noëlla trouvera à son retour. Puisque je ne suis plus, il faut que tu m'oublies, ma chérie, que tu vives. Notre grand amour est fini. Il faut que tu guérisses ta plaie, que tu aimes encore. Manuela, adorée, aime ton mari. Sois heureuse, très heureuse. Fais-le pour moi. Je meurs en chrétien. J'essaie de croire en Dieu. Prie pour moi pour que nous puissions vivre heureux, très heureux, longtemps au ciel. Noëlla commente cette lettre avec ces mots. Vivre, aimer, guérir, être heureuse. Je le lui devais ainsi qu'à Dieu. C'est ce qu'elle a entrepris lorsqu'elle a pu se rendre à Châteaudet en septembre 1945. Avec d'autres déportés, afin d'y retrouver la santé. Ce temps passé à la montagne fut très heureux.
grâce à tous les bons soins qu'elle a reçus de la part des personnes du village, pour lesquelles elle a gardé une immense reconnaissance. Et non seulement ils lui ont permis de se reconstruire, mais de vivre un grand bonheur, rencontrer l'amour, à la faveur d'un bal populaire du village, auquel ses camarades l'ont contrainte de se rendre. Elle ne voulait pas y aller. Elle est invitée par un beau jeune homme blond à faire un pas de danse qui deviendra un pas vers une vie nouvelle. Un véritable coup de foudre. 2 ans plus tard, le 9 août 1947, à Paris, dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, un prêtre accepte de marier Noëlla Pandeau, âgée de 27 ans, à un protestant, André Rouget, 28 ans. André est issu d'une famille genevoise dont la généalogie est parsemée de pasteurs. Pas tout simple, cet écuménisme avant l'heure, mais un défi de plus qu'ils ont relevé. Alors je désire ici rendre hommage à André Rouget, ce pacifiste total dans tout son être. Toute sa vie, il a dit son aversion de la guerre. André visitait les prisonniers, les personnes en fin de vie à l'hôpital. Et en pacifiste convaincu, il s'est engagé dans tous les mouvements de paix possibles. Le Mouvement international de la réconciliation, le Service civil international, le Centre Martin Luther King, l'Association ATD Quart-Monde, Amnesty International, l'École Instrument de Paix, la Ligue des droits de l'homme. Tout mouvement pour la paix. André et Noëlla étaient habités du même esprit pacifiste. Pas étonnant, Patrick, que tu fusses objecteur de conscience. Rescapés dans l'enfer des camps, les mots de la pitié larmoyante étaient irrécevables. À l'indicible de l'horreur ne pouvait répondre que le silence. Ce fut le premier refuge pour ne pas raviver la souffrance toujours présente. Chacun des membres de la famille s'y tenait pour protéger l'autre. Seuls les amis de captivité pouvaient vraiment comprendre et en parler. C'est pourquoi Noëlla aimait les retrouver. C'est comme si la communion vécue si intensément entre elles dans le camp revenait et ne pouvait plus avoir d'équivalent. La foi de Noëlla lui a permis de tenir, mais les souvenirs des atrocités vécues, les angoisses engendrées par la présence prégnante de la mort, hantaient ses nuits de cauchemars. Ce traumatisme enfoui traversait inexorablement la protection d'amour mise autour d'elle, sans qu'il y ait des mots pour le dire. François et Patrick, vous en avez souffert de ce silence qui parlait sans mots. Mais l'amour était-elle, l'amour de votre maman, de votre papa, n'ont jamais manqué pour autant. On le sait, la plupart des déportés se sont tus durant plusieurs décennies après la libération. C'est comme s'il était impossible de dire à la fois le héros et le bafoué. Après plus de 40 ans de silence, l'opportunité de la parole est arrivée à l'occasion des discours négationnistes. Noëlla s'est mise à écrire pour protester contre cette infamie. Et puis, au début des années 90, en Suisse, puis en France, Noëlla a été invitée à venir parler à des groupes de jeunes dans les paroisses, notamment protestantes, puis dans les écoles. Elle a participé à plusieurs voyages à Auschwitz, organisé par la CICAD. Le maire de Genève, Manuel Tornard, l'a même invité à parler lors des promotions civiques. Noëlla, inlassablement, a apporté son témoignage dans des lieux les plus divers. Lucille et Constantin, vous avez chacun organisé une soirée, une en 2012, l'autre en 2013, au cinéma du Grütli, afin que votre grand-maman puisse raconter son parcours de vie à vos camarades. Les salles étaient combles.
De nombreux jeunes ont pris conscience de l'importance de lutter pour la dignité humaine. Ce fut aussi pour Noëlla une source de libération intérieure. Lors de la cérémonie de la réception de la médaille du grand officier de l'Ordre du Mérite, elle a eu ces mots. J'ai trouvé auprès des jeunes une écoute extrêmement attentive qui augure bien des relais de notre mémoire historique qu'ils deviendront. Dès que j'ai commencé à parler, j'ai été délivré des cauchemars récurrents qui m'assaillaient. J'ai été libéré de mes non-dits, du mutisme imposé par l'entourage public qui n'avait pas encore le courage d'entendre les déportés. Noëlla a regretté que l'opportunité de témoigner soit venue si tard. Mais vous comprenez bien qu'elle s'est arrangée pour jouer les prolongations lorsqu'elle a encore donné son témoignage alors qu'elle avait 96 ans. Souvent, à la fin de son récit, je devais lui demander de parler de sa démarche à l'égard de l'officier de la Gestapo qui avait fait fusiller son fiancé et l'avait envoyé à Ravensbrück. Alors, en toute modestie, elle racontait que lorsqu'il avait été retrouvé 17 ans après la guerre, qu'il est jugé, puis condamné à mort, elle avait écrit au tribunal, puis au général de Gaulle, pour demander la grâce de son bourreau. Elle l'a obtenue. Puis elle s'est mise à correspondre avec cet homme pour l'amener avec douceur à reconnaître le tort qu'il avait fait. Elle disait, il devait bien subsister en lui une petite flamme humaine et je voulais essayer de la ranimer. Malgré des années de correspondance et l'offre du pardon, cet homme n'a jamais reconnu ses responsabilités ni exprimé le moindre regret. Mais qu'est-ce qui motivait à ce point Noëlla de façon presque obstinée dans sa démarche? Sa foi lui a donné une ligne de conduite dès le début de la guerre. Dans mon engagement pour la libération de la France, j'ai ainsi toujours veillé à considérer mes ennemis avec respect, avec grâce, avec les yeux du Seigneur. Je demandais ce regard dans la prière. Durant sa détention à Ravensbrück, elle continuait de croire que la grâce pouvait toucher ses gardiennes. Dans ce camp de la mort, j'ai vécu des instants terribles. Même ma foi fut ébranlée, mais je me suis accroché à Dieu. En même temps que je me révoltais contre mes gardiennes, je priais pour elles. Je les croyais capables, comme toute personne humaine, de recevoir l'aide de Dieu. Oui, je priais sans cesse intérieurement. Je priais avec mes camarades de déportation. Un jour, placée dans la colonne des femmes destinées à la chambre à gaz, l'une de ses gardiennes l'a poussée brusquement dans la colonne des travailleuses. Surprise, elle comprend qu'elle est sauvée. Lorsque son bourreau est condamné à mort, elle intervient. Mais je ne pouvais pas me résoudre à ce qu'il soit condamné à la peine capitale. Par ma foi, au nom de mes vertus chrétiennes, j'ai toujours été contre la peine de mort. La vie, cette chose si belle et si sacrée nous est donnée, elle ne nous appartient pas. Son appel au général de Gaulle a été entendu. Le bourreau était gracié. Toutefois, cette démarche a suscité l'incompréhension chez ses parents, et surtout une forte désapprobation chez ses camarades résistantes. Elle s'est retrouvée presque seule dans ce combat. « J'ai souffert d'être considérée comme une traître de la cause, mais c'était le prix à payer. Je me savais être dans le droit chemin, celui de ma conscience et de ma foi. Alors j'ai adressé à mes anciennes camarades déportées une lettre pour m'expliquer. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de nous affranchir de l'esprit de vengeance qui nous retient prisonnières de ce cercle de haine dont nous avons tant souffert et nous empêche d'être disponibles
pour des attitudes autrement constructives. Oui, c'est là, chers camarades, que je vois notre tâche, continuer à être des résistantes à la violence. Chers amis, nous qui rendons aujourd'hui hommage à Noëlla Rouget, laissons-nous inspirer par son exemple. Je ne puis conclure qu'en donnant encore une fois la parole à Noëlla. C'est le heureux qu'elle nous lance encore aujourd'hui. Avec l'espérance que le bien peut toujours triompher dans le cœur d'une personne, nous avons tous à livrer bataille contre le mal en nous. C'est l'un des messages que je voudrais transmettre aux jeunes d'aujourd'hui. Méfiez-vous des jugements définitifs, des affirmations péremptoires, car la grâce de Dieu a le pouvoir de changer tout homme, quel qu'il soit. Oui, chère Noëlla, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, tel que tu l'as vécu, tel que tu l'as servi. Telle était ta conviction. Merci, Noëlla. Amen. Thank you.
La parole est maintenant aux proches, à la famille. J'invite Madame Irène Mathier à venir s'exprimer. Je vous en prie, Madame, en quelque sorte, fille d'adoption de Noëlla. Cher Patrick et cher François, et à tous ceux ici présents pour rendre hommage à Noëlla, en souvenir de nos liens quasi fraternels et de mon attachement à Noëlla et André, je m'associe à votre peine, car Noëlla était ma mère de cœur et mon phare. Elle me présentait souvent comme sa fille adoptive, et j'en étais fière et honorée. En outre, Noëlla était la marraine de ma fille Amanda, donc un lien bien choisi pour transmettre ses nobles valeurs. Et j'ose partager avec vous une petite anecdote. Soit j'ai appris à cuisiner avec Noëlla lors de nos nombreux repas dominicaux, soit une sorte de transmission du patrimoine culinaire français. Et tout en appréciant les petits gâteaux qu'André achetait chaque dimanche. Noëlla était une femme engagée pour que personne n'oublie les horreurs de la dernière guerre et des camps de concentration nazis. Une humaniste dans sa chair, comme André. Que la mémoire de Noëlla et de son engagement soit ancrée en chacun de nous. Qu'elle puisse nous unir toutes et tous pour nous engager à faire vivre son travail de mémoire. Que le devoir de mémoire cher aux résistants déportés perdure et puisse poursuivre grâce aux générations suivantes, enfants, petits-enfants, en l'honneur de Noëlla et de celui de ses camarades ou de ses compagnes de déportation. Que son exemplarité traverse les générations. Patrick et François, soyez fiers de votre maman. Une résistante jusqu'au bout de sa vie. Indignez-vous, a dit Stéphane Hessel, et c'est le chemin que Noëlla a choisi contre toute atteinte aux droits humains, avec une grande dignité. Donc ma mère de cœur était une grande dame. Maman, pour beaucoup, tu étais une grande dame. Mais pour mon frère et moi, c'était notre petite maman. Toujours soucieuse de notre bien-être et de notre santé, nous donnant de l'affection sans parcimonie. En plus de ton pays d'adoption, qui a été le paradis après l'enfer, tu nous as appris à aimer ton pays d'origine, sa culture, son histoire, ses magnifiques terroirs, sa langue que tu cultivais avec amour et sa cuisine dont tu nous faisais si bien bénéficier. À ce propos, une anecdote. Des amis t'avaient offert un avocat, féru des ingrédients de l'Hexagone, ayant peu de connaissances des plats exotiques, tu as fait cuire le noyau pendant très longtemps, pensant que c'était cette partie du fruit qui était comestible. Bien sûr, par la suite, tu t'étais ravisé. Tu nous as enseigné l'humanisme, la tolérance, la curiosité, le doute. Citant Jean-Paul Sartre, l'imbécile, c'est celui qui a réponse à tout.
Il fallait fuir l'obscurantisme, le fanatisme, la haine, la violence, voire le nationalisme aveugle aux autres nations. Tu as partagé intimement ces convictions avec notre père qui était un passiviste convaincu. Longtemps mutique sur tes années d'horreur en déportation dans le but de nous épargner l'indicible, tu t'es enfin exprimé à la suite des éructations des négationnistes. Cette parole libérée a fait de notre génération et de celle de nos enfants le dépositaire d'un devoir de mémoire et de témoignage afin que tout cela ne se reproduise plus. Maman, avec ton départ, c'est plus qu'une bibliothèque qui brûle. C'est une vigie à l'affût des manquements aux droits de l'homme qui disparaît. Là-haut, tu retrouves ta mère, Marie, ton père, Clément, ton frère tant aimé, Georges, ton mari, André, tes camarades de déportation, tes grandes amies, Geneviève, Germaine, Miarka, Anise et bien d'autres encore, ainsi que celles qui ne sont pas revenues des camps. Tu pourras leur jouer la petite musique que tu pianotais sur la table de ta maison de retraite. Do, do, mi, mi, sol, sol, mi, fa, fa, ré, ré, do. Nous aimerions pour finir te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour les belles valeurs que tu nous as transmises. Brigitte et Éric Monnier Ekchaké, biographe de Noëlla, lui rend hommage. Angers, 11 rue Mirabeau. 9 décembre 1945. Chère Madame, me voici donc de retour à Angers après un séjour de 3 mois dans un pays merveilleux où nous avons été choyés, gâtés autant qu'il était possible de l'être. Une amélioration très sensible de ma santé, un esprit reposé, un nouveau courage pour la vie. Tels sont pour moi les bénéfices de ce séjour là-bas. Je n'oublie pas, chère Madame, que c'est à vous en grande partie que je dois cette heureuse transformation, à vous qui m'avez invitée, je dirais même obligée, à aller en Suisse. J'aurais eu du plaisir à vous voir lors de mon passage à Paris, mais le voyage m'a tellement fatiguée que j'ai préféré prendre le premier train pour Angers. J'ai retrouvé ma famille, heureuse, comme vous le pensez, de me revoir surtout avec une si bonne mine. Aussi grande que soit ma joie d'avoir retrouvé les miens, mes pensées s'envolent souvent vers la Suisse, où j'ai été si heureuse, de laquelle j'emporte un souvenir inoubliable, cela d'autant plus que, mais vous le savez déjà, je crois, j'ai laissé là-bas une partie de mon cœur. Le cœur que l'on croit dominer vous joue parfois de vilains tours. J'ai donc fait la connaissance à Châteaudet d'un garçon d'une excellente famille de Genève. Je croyais que l'intérêt qu'il me manifestait était motivé par ma qualité de déportée, ce qui était peut-être vrai au début. La suite des jours m'a révélé qu'il s'était attaché à moi très sérieusement et que, je dois l'avouer, la réciproque était vraie. Nous avons été, Carole et moi, parfaitement bien reçus dans sa famille, pendant les quelques jours que nous avons passés à Genève au retour. André, c'est son nom, veut m'épouser.
mais de graves problèmes se posent entre nous. Il est suisse et moi française. Et surtout, il appartient à une famille profondément protestante, alors que la mienne est profondément catholique. Nos parents respectifs sont au courant et de part et d'autre, on étudie sérieusement la question. Je vous ai mis au courant de ces choses que vous saviez déjà vaguement, parce que d'abord, j'estimais de mon devoir de le faire, étant donné l'intérêt que vous portez à chacune de nous. Ensuite et surtout, pour que vous sachiez que cette histoire n'est pas un simple flirt et que nous avons toujours eu là-bas le souci de notre dignité aux yeux des Suisses pour qui nous représentions la France. Je vous embrasse, chère madame, avec toute mon affectueuse reconnaissance, Noëlla. Chère Noëlla, la lettre que Brigitte vient de lire, tu l'as écrite il y a jour pour jour 75 ans, soit le 9 décembre 1945. Tu l'adresses à Florence Morax, l'assistante sociale de la DIR, aux 4 rue Guémer à Paris. Tu es rentrée à Angers, chez tes parents. Un deuxième retour après celui du 16 avril, si difficile. Tu reviens de Châteaudet, où tu as passé 3 mois, et où tu as retrouvé un nouveau courage pour la vie. Tu évoques avec franchise ta rencontre avec André et on comprend que c'est un tournant capital qui va changer ta destinée. Et voilà que, 75 années plus tard, le grave problème de la différence de vos appartenances religieuses se résout dans cette célébration œcuménique. Dans cette lettre, on trouve tout ce qui te constitue, ton indéniable talent épistolaire, tes réflexions, ta dignité et ta conscience de représenter la France. Oui, la France, ce pays pour lequel tu t'étais engagé au péril de ta vie, ô combien, alors que l'âme de celui-ci était bafouée par l'occupation et la collaboration. Chère Noëlla, tu clôt ta lettre avec le mot « reconnaissance ». Comment aujourd'hui, 9 décembre 2020, ne pas faire nôtre cette reconnaissance ? En février prochain, cela fera 12 ans que tu es entré dans notre vie pour la bouleverser jusqu'au tréfonds de nous. Au fil des ans, s'est installée une amitié profonde qui nous honore. Nous avons tant partagé. Nous te revoyons nous ouvrir ta porte en sifflotant. Nous te revoyons déboucher cette improbable bouteille de vin à la gare de Bâle alors que nous partions pour une commémoration à Ravensbrück. Tant de souvenirs. Et puis, tu nous as accordé, avec Patrick et François, une immense confiance en même temps que le trésor de tes archives pour écrire ta biographie. Et ce jour de juin dernier, où nous avons pu t'offrir ton livre, restera à jamais dans nos cœurs. Chère Noëlla, bientôt, en longeant un moment l'Arve, cette rivière qui arrive de France, nous viendrons te voir au cimetière des rois, une reine de courage au cimetière des rois, comme l'a dit une lectrice dans la presse. Et nous parlerons encore tous les trois, après que tu nous auras demandé, comme à chacune de nos visites,
Mais comment allez-vous, vous ? Car tu auras toujours le souci des autres. Repose en paix, chère Noëlla, et reçois notre infinie tendresse. Et maintenant, vous voudrez bien écouter « Heureux qui comme Ulysse », ce poème de Joachim du Bellay que Noëlla s'est tant récité et qui l'a aidé à survivre. Il est dit aujourd'hui par Gérard Philippe. Du Bellay, heureux qui comme Ulysse. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Sestula qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le font audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liré que le mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine.
J'invite Madame la ministre à venir prendre la parole. Madame la présidente du Conseil d'État du canton de Genève, Monsieur le maire de Genève, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le député, Monsieur le représentant de l'armée suisse, brigadier, Messieurs les colonels, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames, Messieurs, chers membres de la famille et proches de Madame Rouget, je voudrais m'adresser à vous dans un premier temps pour vous adresser au nom de la France nos plus sincères condoléances. J'imagine votre peine, mais j'imagine aussi votre fierté d'avoir vécu avec cette personne exceptionnelle, cette dame exceptionnelle. Noëlla, c'était d'abord un prénom, celui de l'espérance pour les chrétiens du monde entier, celui d'une foi familiale profondément enracinée, une foi en Dieu, mais aussi une foi en l'humanité. En tant que représentante du gouvernement de la République française et au nom du président de la République, c'est bien une figure d'espérance que je suis venue saluer. Une incarnation de l'engagement et de la miséricorde, une femme courageuse et une ambassadrice de la liberté. Au nom de son engagement pour la France et les valeurs universelles qu'elle porte, Noëlla Rouget a mérité l'hommage de tout le peuple français. Je me réjouis que cet hommage soit partagé et qu'ils s'unissent dans un même temps, avec une même émotion, avec celui de nos amis de la Confédération suisse. Ensemble, nous honorons celle qui fut un lien entre nos deux pays, celle qui a résisté et lutté dans les heures sombres, celle qui a accroché à la vie et à l'espoir dans l'horreur des camps, celle qui, suivant les volontés de son amour perdu, a reconstruit une vie et fondé une famille. Celle qui a tendu la main à son bourreau, celle qui, jusqu'au bout, a témoigné pour combattre l'oubli. Celle qui a été une artisane du travail de mémoire. Raconter Noëlla Rouget, c'est raconter le parcours de cette femme d'exception. C'est aller à la fois dans le plus effroyable de l'humanité comme dans le plus admirable, dans le plus cruel comme dans le plus charitable. Parler d'elle, c'est parler d'une vie d'engagement contre la haine et contre l'esprit de vengeance. C'est raconter un siècle de notre histoire, son siècle. Noëlla Podot a 20 ans quand le joug nazi s'impose sur les pavés d'Angers, quand la douceur angevine se fait obscurité. Institutrice, elle n'accepte ni les humiliations ni les insultes faites à la liberté. Elle se révolte face au règne de l'arbitraire, face à l'effondrement de la France qu'elle aime. Plier, non. Se résigner, jamais. Lorsqu'elle découvre l'existence d'une France qui résiste, qui poursuit le combat et refuse l'asservissement, elle le sait, elle en sera. À l'instar de milliers de jeunes femmes et jeunes hommes, Noëlla rejoint cette légion de la jeunesse combattante pour la liberté. À son tour, elle rédige des tracts et les distribue. Les sacoches de sa bicyclette s'alourdissent rapidement des messages,
des colis et parfois des armes qu'elle faisait transiter par des mouvements et des réseaux de résistance. Elle se remplisse également bientôt de l'amour d'Adrien Tigeaud, lui aussi instituteur et résistant, lui aussi soldat d'un idéal. Mais en écho de cette jeunesse dévouée et intrépide, les complices zélés de l'occupant, le bras armé de la collaboration, font leurs basses œuvres. La vie de Noëlla bascule en juin 1943. Dénoncée et arrêtée, elle débute 2 années d'enfermement qui la menèrent d'Angers à Ravensbrück. Son fiancé est de ces martyrs de la liberté qui achevèrent leur existence dans la clairière de Belle-Beille. 27 240, tel fut le matricule de Noëlla dans l'enfer de Ravensbrück. Elle y est affectée aux travaux les plus durs. Malgré la fatigue et la maladie, la violence et les exécutions, elle s'est accrochée. Accrochée à sa foi, agrippée à la solidarité féminine, cramponnée à l'amitié et à ses compagnes de déportation, Geneviève de Gaulle, Germaine Tillon ou Denise Vernet. Ensemble, elle récite, elle fredonne, elle prie. Cette solidarité, cette sororité imprima dans son cœur un souvenir indélébile. Et c'est ici en Suisse que Noëlla Podo a trouvé la force de commencer une nouvelle vie. Bien que hantée par ses années d'effroi, elle se fit un devoir de vivre pleinement sa vie. Elle y fit rentrer l'amour en rencontrant Alain Rouget. Elle repeupla sa vie par la naissance de ses fils. Son douloureux passé a ressurgi sous le nom et les traits de Jacques Vasseur, responsable de tant de déportations et de tant de morts, responsable de son propre malheur. À rebours de l'opinion, et malgré l'incompréhension de nombreux de ses contemporains, parce qu'elle était contre la peine capitale, parce que la vengeance était contraire à son esprit, elle demanda et obtint la grâce pour son bourreau. Face à la haine, elle préféra le pardon et la mansuétude. Elle entretint durant de nombreuses années une correspondance avec lui pour tenter de comprendre et espérer des regrets qui ne vinrent jamais. Pendant des années, la force de son témoignage n'a cessé d'alerter, d'émouvoir et de sensibiliser des générations entières. Elle aimait échanger et se faisait un devoir d'alerter les plus jeunes contre le négationnisme, le nationalisme et le totalitarisme. Madame Noëlla Rouget, vous avez, avec tant d'autres, allumé la flamme de la résistance. Cette flamme, vous l'avez entretenue tout au long de votre vie. Vous nous la laissez aujourd'hui en héritage. Nous en prendrons soin. La République française sera fidèle à votre souvenir, à vos leçons de vie et à l'esprit de votre combat. Cher Noëlla Rouget, heureux qui comme Ulysse, nous vous souhaitons un très beau voyage et vous exprimons notre admiration et notre très profonde gratitude. Et vous auriez pu dire ces mots à ma place: vive la République, vive la France, vive la Confédération suisse, vive l'amitié franco-suisse.
Ensemble, frères et sœurs, rassemblons nos cœurs, notre affection pour Noëlla, dans un moment de prière. Seigneur, tu connais le cœur de Noëlla, les joies, les peines qui l'ont façonné, les combats qu'elle a menés, l'amour qu'elle a donné. Accueille-la auprès de toi, qu'elle connaisse la joie éternelle, nous t'en prions. Seigneur, tu vois les cœurs peignés des membres de sa famille. Aide-les à continuer à vivre dans ta lumière, ton soleil, qui transfigure tout être. Fais grandir notre foi pour que soit plus vive notre espérance en la résurrection. Nous t'en prions. Seigneur, nous te confions les personnes malades, celles et ceux qui vivent une longue maladie. Nous te confions aussi celles et ceux qui s'occupent des personnes malades, qui les accompagnent. Donne-leur au quotidien courage, patience, force nécessaires pour accomplir leur mission. Nous t'en prions. Ensemble, à la mémoire de Noëlla qui a si souvent dit cette prière en cette église, je vous invite à dire, à prier la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à confier Noëlla à la Vierge Marie, la mère de tendresse et de miséricorde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'invite maintenant Monsieur le rabbin, qui va venir exprimer aussi une prière. C'est en mémoire de ce qu'elle fut et de ce qu'elle fut pour nous que cette prière sera énoncée. Dieu de bonté et de clémence, accueille sous ta divine protection Noëlla Rouget. Et en considération des prières que nous prononçons pour honorer sa mémoire, puisse son âme reposer en paix. El maler rachamim shochein b'mromim hametzeh menucha nechona tachat kanafei ha'shechina b'ma'alot kedoshim u'tahorim Que Zohar Araki Amazeirim et Nishmat Achotenu Akadosha Noëlla Rouget Shelcha L'Olama Bavur Shianachenu Mitpalelim Be'ara zekarat nishemata Lachein balarachamim yastireha Besetere kenafav leolamim Ve'yitzeror bitzeror achayim et nishmata Adonai unachalata
Begann den Heimen noch hat, wird an Uach alle Mischkava beschalom, wenn Omar. Le moment est venu de nous séparer de Noëlla, qui a travaillé, souffert, servi, aimé, les siens et tant d'autres. Tout cela ne peut pas mourir, nous l'avons rappelé au cours de cette célébration. Le Seigneur lui-même a vécu notre condition humaine, mais son amour est plus fort que toutes les forces de mort. Et rien, rien ne pourra nous séparer de lui. Et bien que cette espérance nourrisse notre recueillement, notre prière pour Noëlla. Voici l'encens, cet encens qui brûle comme un parfum de grand prix, car précieuse est la vie aux yeux de Dieu. Voici cet encens qui monte vers toi, Seigneur, avec l'offrande de toute une vie si riche. Merci pour la vie de Noëlla. Merci pour le témoignage, les valeurs qu'elle nous confie. Donne-lui de goûter à ce bonheur d'être toujours avec toi. Donne-nous de garder la saveur de la foi, le sens de la prière, de la confiance, à l'exemple de Noëlla. En signe de respect pour vous, Noëlla, voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière pour vous. Et puis il y a l'eau de la vie, l'eau qui lave, qui guérit, qui désaltère. Voici l'eau qui rappelle celle du baptême, qui est plongée dans la mort du Christ et appelée à ressusciter avec lui. Pour le bonheur de cette eau qui donne la vie, nous te disons merci Seigneur. Donne à Noëlla d'être désaltérée à la source d'eau vive. Donne-nous d'être réveillés, encouragés, dans notre foi en la vie éternelle, en signe de cette foi qui était la vôtre, dans laquelle vous avez été baptisé, Noëlla, dans laquelle vous avez tant cheminé, qui a été votre force, eh bien, je vous bénis. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons Noëlla. Ton amour l'a accompagnée tout au long de son existence. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur.
mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. La cérémonie va prendre fin ici même. Sachez que des informations suivront, mais sachez d'ores et déjà qu'un hommage public et solennel sera rendu à Noëlla Rouget le samedi 8 mai 21. Une corbeille sera disposée à la sortie si vous souhaitez faire une offrande pour la paroisse qui vous accueille. Je laisse maintenant la parole à Monsieur l'officier des pompes funèbres. Au terme de cette cérémonie, nous écouterons l'interprétation de la toccata de Charles-Marie Vidor. À la suite de celle-ci, les porte-drapeaux, aux ordres du colonel Arnaud Brunetta, se positionnent autour du cercueil et précède celui-ci en traversant la nef. Ils sont immédiatement suivis de M. le curé Thierry Fouet et des officiants de la famille et des autorités. Les amis et connaissances sont invités à suivre les autorités.